Bonjour, je suis Isabelle Mourossi, je suis romancière et aujourd'hui je viens vous parler de mon dernier roman qui s'intitule Un ange dans ma vie. En fait, je voulais tourner dehors parce que c'est quand même beaucoup plus sympa et qu'il fait super beau. Et puis en fait, non, c'est pas possible, ils font des travaux, je sais pas, ils sont en train de refaire tout Bucarest entier, donc enfin bref, c'était pas possible. Donc me voilà, nous voilà tous enfermés dans mon salon. Soit! Retournons à nos moutons et donc à ce dernier roman qui est le, je sais pas, le combien tient, enfin plus que 20 en tout cas, j'ai perdu le compte, ne me demandez pas. Donc ce roman en fait a été bâti autour du personnage d'Alexine que j'ai rencontré en écrivant ma nouvelle qui s'intitule Le Passager, qui a été écrite pour le recueil de nouvelles du Club des Indés, Destination Inconnue. J'ai voulu en fait ensuite en savoir un petit peu plus sur Alexine et sur son ange. Voilà, au fur et à mesure l'histoire s'est construite et je suis allée en exploration de tout ça. Et parallèlement à l'histoire d'Alexine et son ange, j'ai voulu aussi parler un tout petit peu de suite à tous les événements de l'année 2019 qui sont quand même très importants. J'ai voulu, en marge de cette histoire, un tout petit peu en parler. Je suis quelqu'un qui est très engagé au niveau politique, qui a vraiment des idées très déterminées, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, j'essaye que ces idées-là restent mes idées personnelles et ne transparaissent pas dans mes écrits. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre politique à la Rosa Luxembourg, mais enfin je ne suis pas encore là. En tout cas, ce roman, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement que je trouve qu'il est assez intéressant, enfin qu'il est plus intéressant de ne pas prendre parti et de brosser différents points de vue pour une histoire. En tout cas, ce roman, lui, est bâti comme ça. C'est donc une romance qui est toute rose, toute douce, pleine de positivité et d'optimisme parce que ben, je trouve qu'on en a un tout petit peu besoin en ce moment et que ben, voilà, hein, on peut y aller hein, au niveau du rose, on peut charger la mule, c'est pas grave, là c'est bon, allons-y hein. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en compagnie d'Alexine et de son ange. Un tout petit peu, faites attention aux poils. À très bientôt!